Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Mbotena bino banso bandeko ba wazalendo ba patriote. Voilà moyo en bonsou. Hamujambo. Wasikizi wa lugala Kiswahili mbotena beno bampangi. Boyanyu ana lengo. Voilà, chers compatriotes, c'est l'habitude que nous avons pris de nous saluer en langue nationale. Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est toujours en vigueur, c'est-à-dire la création des plateformes qui ont commencé avec Caméré, maintenant, c'est Samaloukonde, ensuite c'est Kabouya et les autres, ensuite le reste, ça viendra. Est-ce la mort de l'Union sacrée? Ensuite, nous allons parler des 50 ADF qui ont été désactivés et rééduqués. Malheureusement, dans les 50, il y a plusieurs Congolais d'origine qui étaient islamistes, qui combattaient dans cette histoire. Une dizaine seulement ont été rendus aux Ougandais. Ils seront rapatriés en Ouganda. Alors, il y a cette victoire de Mouesso. On a attrapé des mercenaires américains en plus. Et voilà, les FARDC, les Wazalendo en majorité, ils sont en route maintenant vers Kichanga. Je vous informe aussi que ces terroristes rwandais et leurs supplétifs du M23, ils sont en train de s'affaiblir. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, nous allons commencer avec un tout petit débat avec notre compatriote, le diacre, c'est un homme de Dieu, je l'appelle le diacre, mais bon, c'est un patriote, hein. Un patriote qui soutient le pouvoir. Alors, vous allez l'écouter. Il est sur le plateau. Et voilà, serrez vos ceintures et participez à la réflexion. Et surtout, celle qui est proposée par des compatriotes, une première ministre, pourquoi pas une première ministre. Alors, chers compatriotes, vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai dit que je vais avoir un avis aussi d'un compatriote sur le point de vue que nous avons, nous, sur notre chaîne TV du Peuple RD Congo, sur l'attitude de Vital Caméré, qui a créé sa plateforme,
Mais ce que je remarque dans cette création de sa plateforme, c'est qu'il a utilisé le titre du livre écrit par le président de la République, Félix Tshisekedi. Ce livre, tout le monde peut le trouver sur Amazon, il est vendu à 9,9 euros en version électronique et en version brochée, c'est-à-dire en version livre, c'est à 14 euros. Alors vous vous rendrez bien compte qu'il est utile sa plateforme Pacte pour un Congo retrouvé. Et le livre de Félix Tshisekedi qui est sorti le 8 décembre, donc pendant la campagne, on n'a pas fait attention. Le livre s'intitule Le Congo retrouvé, auteur Félix Tshisekedi. C'est drôle, hein? Après avoir créé sa plateforme, c'est Sama Lukonde qui crée aussi sa plateforme. Et qui sont membres de cette plateforme? Il y a 70 députés, tous des Katangais, tous des Katangais. On va vers la mort de l'Union sacrée, peut-être. Alors, j'ai fait appel. Nous ne sommes pas d'accord avec cette situation-là, mais j'ai fait appel à un compatriote, le diacre Mukendi Kasu Robert. C'est un patriote congolais, fatiste, hein, comme on peut dire. Hein. Nous disons tous Fatih Béton. Nous soutenons le régime. On va voir son point de vue et sur d'autres questions aussi. Alors, bonsoir, Diacre Bonsoir, Mukendi. Jacques Symphorien. Comment vous allez? Très bien, vous-même. Ah oui. Ici, nous cessons d'être des Diacres. Ici, nous sommes des Oisalendo. Oui. Ah oui. Oui. Alors, que pensez-vous de la création de cette plateforme par Vital Kamerhe? Donc, la toile s'enflamme, tout l'Internet s'enflamme contre lui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comme la plupart de mes compatriotes, la plupart de toutes les personnes qui s'intéressent à la politique de notre pays, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette démarche des Camerounais. Parce que les géniteurs de l'Union sacrée l'avait créé dans le but de créer une force, un courant qui avait comme objectif donc de l'amener au deuxième mandat, parce que le deuxième mandat c'est pour consolider les acquis, du premier mandat Oui. et les acquis qui sont en grande partie ont pu être réalisés effectivement avec ceux qui constituent donc jusqu'à maintenant l'Union sacrée. Maintenant, c'est très malheureux qu'un membre influent de ce regroupement, donc un membre influent du président, vienne en unanimité avec une autre idée très dangereuse, une idée pour fragiliser effectivement l'Union sacrée qui avait donc, après avoir mouillé le maillot, mené la bataille de la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 73% 47, 73,47%,
il était donc important de passer à la seconde phase, qui c'est celle de, avec l'Union sacrée, de lui offrir une grande majorité au niveau du Parlement, une majorité qui lui permettra au fait d'avoir suffisamment de moyens pour appliquer sa politique et mettre en avant sa vision, pour laquelle d'ailleurs tout le peuple congolais est convaincu que cet homme-là va nous amener vers les chantiers, les sentiers éclairés. Lui, il dit que c'est lui qui est capable, avec ses 101 députés qu'il réunit maintenant. Vous ne trouvez pas qu'il est Bon. opportuniste et qu'il a un agenda caché? Tout à fait opportuniste, agenda caché, mais ce qu'il oublie, mais je pense qu'il a très mal fait son calcul, ce qu'il oublie est que c'est ce qu'il dit qui est le géniteur de l'Union sacrée. Ah, mais oui. Géniteur de l'Union sacrée lui-même se retrouve hein, sans camarade avec ses 110 députés, et il a déjà 271 députés. Ce qui lui donne déjà une majorité D'ailleurs, Moïse importante. Ndonzangui a dit que même en Bon. acceptant cette plateforme, il sort en troisième position par rapport aux députés de l'Union sacrée avec Bon. l'UDPS. Oui, c'est ça, parce que si on prend l'UDPS seule, avec des mosaïques, quand on parle de mosaïques, c'est l'UDPS. Hein, donc, c'est déjà 140 députés. Donc, 140 députés maintenant, et si on prend maintenant les alliés, c'est les alliés, on parle de la mosaïque, c'est déjà 271 députés. Si on ajoute les députés de MLC, de Bemba, si on prend les députés qui viendront avec le patriarche Mbosso, si on prend les autres ainsi de suite, on est vers 330 députés. Ce qui fait que Kamere doit faire un choix, mais même s'il fait un choix, est-ce que les 110 députés, hein, ça c'est une autre question, c'est tout à fait ouvert, est-ce que les 110 députés les suivront tous comme des moutons de panurge? Je ne crois pas. Parce que ces gens-là, leur première préoccupation, c'est quoi? Pourquoi ils vont vers cette histoire-là? C'est parce qu'ils veulent se positionner. Ils veulent, bon, en d'autres termes, pour ne pas se voiler la face, ils veulent avoir des postes. Il y a des Ils pensent compatriotes, que. il y a des compatriotes qui disent que Kamere, comme c'est un caméléon, il a été contacté par des forces extérieures pour créer cette histoire en vue de tuer l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que lui, bon, sa nationalité a toujours été mise en doute par rapport à sa loyauté. Et souvent, il ne s'en défend même pas. Quand on lui demande que vous avez des origines burundaises ou de l'autre côté de la rivière Rusizi, il détourne la question. Voilà, est-ce qu'il est l'homme vraiment qu'il faut dans un poste de souveraineté, comme par exemple président du Parlement, premier ministre, ou quoi? Est-ce que vous Non, en pas de pensez question. avec tout ce qu'il a fait? Parce que déjà, ce qu'il a fait là, il a montré déjà des très mauvaises couleurs. Hein. Même les gens qui le soupçonnent, qui pensent qu'il sera au service des forces obscures. Et c'est que moi, je trouve que lui-même s'est foutu dans une histoire très farfelue, un très mauvais calcul. Hein. Parce que il est dans un très mauvais, il risque de se retrouver seul avec
l'INC, même l'INC qui pourra, suite à cette histoire, à cette affaire que moi j'appelle les caméras guettes, être fragilisé sérieusement. Oui, yeah. Parce que les gens qui ont déjà, pendant la première législature, participé au pouvoir et qui vont, par rapport aux manigances d'un de l'air, se retrouver à l'opposition. C'est pour beaucoup d'entre eux, ça sera une histoire inadmissible. Je crois que Caméré, même si il a été contacté par d'autres forces, et lui-même, j'ai l'impression, en croyant qu'il va fragiliser l'Union sacrée, hein, et lui-même s'est tiré une balle dans les pieds. Comme ça. Certains pensent que c'est une préparation vers une opposition, ou soit une préparation pour qu'il devienne candidat en 2028, mais en attendant, il y a le projet de changement de la Constitution, ou de la modification de la Constitution. Oui, mais de toute façon, lui, il est très mal parti. Il est vraiment, d'autres termes, un peu mal barré, parce que s'il doit préparer 2028 de cette manière-là, ben, je crois qu'il n'ira pas très loin. C'est pas de cette façon que ça se prépare. Il devait que bien faire la lecture des choses, voir les autres. Il s'est précipité. Hein. Il s'est précipité. Et qu'est-ce que vous pensez de la plateforme de celui que certains appellent Mouton, le Premier ministre, Samalou Kondé? Bon, maintenant, lui aussi, je n'ai pas très très bien compris sa position. Est-ce qu'il s'est fait, il s'est laissé influencer par... Ça, c'est pour contribuer à la mort de l'Union sacrée. Parce qu'il y aura un troisième, un quatrième, et puis ainsi de suite. Mais maintenant, le problème, c'est que, bon, ils doivent un peu regarder dans les rétroviseurs. Parce que si le président avait réussi à renverser la tendance avec les tout-puissants FCC, oui. Et maintenant qu'il a toutes les manettes, il est déjà dans le rouage, il connaît les hommes, il est rejeté. Il a les mains libres, bon, c'est à lui de décider. Il a les mains libres, oui. Et je crois que beaucoup qui ont pris de telles initiatives, ils vont se casser les dents. Hein. Et que pensez-vous d'une future première ministre, si ça peut être une dame comme Akacia Bandoubola, qui est de l'UDPS, ou d'autres comme Princesse Kayinda, Adèle Kayinda, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce n'est pas, c'est pas mal, hein. Ce n'est pas une mauvaise idée de tenter parce qu'une dame comme première ministre, bon, le président a toujours souhaité confier des très hautes responsabilités à des femmes. Hein. Il a déjà essayé avec madame la gouverneure de la Banque centrale. On a vu que, bon, il n'avait pas tort du tout. Hein, parce que la dame... Oh là là, la connexion est partie. Ah, mon Dieu. Tu es là? Ouais. La connexion était partie. Oui. La connexion était partie, oui. Chez toi ou chez moi, je sais pas. C'est chez toi que je l'avais perdu. Je ne te voyais plus. Ouais. Ok. Non, pourquoi pas, ça peut aller. Hein. Une femme, premier ministre, pourquoi pas. Et à qui pourrais-tu penser?
Acacia, bon, elle a déjà une petite expérience en tant que donc ancienne ministre de l'économie. On l'a vu pendant la campagne, elle a été très très dynamique aux côtés de Jacquemet Chabani. Maintenant, la question sera de savoir si elle aura les épaules assez larges pour porter cette responsabilité dans les marigots des grands caïmans. Oui, c'est Moi, ça. personnellement, je ne voudrais pas qu'on bouge Jean-Pierre Bemba parce qu'il y en a qui soupçonnent aussi Jean-Pierre Bemba comme Premier ministre, mais je pense qu'il est bien dans sa peau de ministre de la Défense parce que ça De la donne défense. l'air de progresser à l'Est. C'est lui qui va nous foutre dehors, c'est Paul Kagame, c'est Hitler africain. Ouais. Mais je pense que bon, le président va quand même rester dans la Constitution, parce que la Constitution, bon, recommande à ce que les premiers ministres sortent du de parti qui est majoritaire Ah oui, à de à l'UDPS. l'Assemblée, qui est l'UDEPS. Hein. Oui. Et là, il ne pas, il jouera pas la géopolitique, ainsi de suite, mais il pourra carrément prendre quelqu'un de l'UDEPS. Bon, il y a des noms comme Kassia, Bandogolé, il y a Jean-Pierre Liaou. Il y a Jacquemet Il y a Chabani. Jacquemin Chabani. Donc, ce sont de bons Ah, profils, mais pour oui. moi, bon, pourront faire l'affaire. Ouais. Ok. Alors, je pense que nous avons peut-être fini, mais vous avez quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter. Bon, par rapport à toute la turbulence actuelle via l'affaire, donc les caméras guettes, que ça ne puisse pas trop bousculer nos esprits, hein, parce que nous Ah oui, sommes il y a la confiants guerre à l'Est aussi et ça ne doit pas nous distraire. à notre champion qui n'est pas un très grand stratège, reconnu même au niveau mondialement, pourquoi pas africain. Hein? Donc, dernièrement, j'avais suivi des discussions de certains analystes politiques de l'Ouest africain, béninois, la manière dont ils apprécient la façon de fonctionner du président. Et nous leur faisons confiance, nous pensons que de la même manière, il va essayer de calmer les jets, ramener peut-être certaines personnes à la raison et, avec beaucoup de vigilance, marcher avec ceux qui sont, entre guillemets, des éléments à tenir à l'œil. La guerre de l'Est, je crois que très bientôt, hein, ça c'est ma prophétie, très bientôt, nous allons en finir avec cette histoire de M23 RDF, les Rwandais, à les mettre d'abord dehors de notre territoire, Mais oui, hein, et les parce qu'il faudrait poursuivre jusqu'au Rwanda, bon. pourquoi pas? Parce Bon, qu'Agamé... donc, nous allons, bon, maintenant ici, nous partons étape par étape. La Oui. première étape pour la primordiale, c'est d'abord les mettre dehors. Et une fois qu'ils sont dehors, nous allons, hein, parce qu'il y a déjà, nous sommes avec le Burundi, la Et la Tanzanie, Tanzanie. trois pays qui trouvent que trop c'est trop, l'Hitler africain Kagame est de plus en plus un super perturbateur. Donc, ce qui fait que ça n'a pas aussi longtemps qu'il va continuer à diriger le Rwanda. La région risque de ne pas
connaître une certaine stabilité. Donc, l'objectif maintenant pour tous ces trois pays, c'est de voir comment il faut se débarrasser De Paul Kagame. de cette, de ce despote, de ce dictateur, de dictateur qui est en train de mettre toute la région en mal. Et je crois que ça ne va pas tarder à venir. Nous l'avons vu dernièrement dans des vidéos, dans ses interventions, sans que la personne ait secoué. Hein. La personne est entrée et au bout du rouleau. Il ne reste qu'un tout petit élément déclencheur pour en finir avec lui. Voilà, Et merci beaucoup, Diacre Mokendi. Et merci. là-dessus, nous nous disons au revoir. Au revoir et bonne soirée chez toi. Voilà, chers compatriotes, je vous l'ai promis tout à l'heure de vous parler des 50 combattants ADF qui ont été déradicalisés. Voilà, cela nous est rapporté par Kivu Morning Post. RDC, Ouganda, les deux armées rapatrient plus de 50 ex-combattants ADF après leur déradicalisation, comme vous pouvez le voir. Bon, et voilà une photo d'illustration. Il y a à gauche l'armée congolaise et à droite l'armée ougandaise. Vous vous souvenez, c'est les UPDF hein, de l'époque avant les EAC qui s'étaient convenus avec les FARDC pour combattre les ADF. Bon, mais malheureusement, quand les EAC sont arrivés, des Ougandais ont fait allégeance aux M23 RDF. On les voyait parler ensemble, s'embrasser et tout ça. Bon, je ne sais pas. Faut-il ou fallait-il confondre les deux? Fallait-il arrêter cette opération déjà commencée avec certains Ougandais? Est-il que des mauvais Ougandais sont entrés avec l'EAC? Ils se sont mis du côté du M23 RDF. Mais voilà le résultat que ça donnait. On a attrapé 50 combattants des ADF. Ils ont été rééduqués, leur cerveau a été lavé. Je ne vais pas tout dévoiler, on va le lire ensemble avec vous. Voilà. 50 ex-terroristes des forces démocratiques et alliées ADF bar MTM d'origine congolaise ont été remis officiellement à la délégation de l'armée congolaise FARDC et 4 djihadistes d'origine ougandaise ont été à leur tour cédés à la délégation ougandaise ce vendredi 25 janvier 2024. Vous voyez? Paul Kagame utilisait des ADF hein, et Congolais en majorité. Et vous voyez là, il y a juste 4 djihadistes d'origine ougandaise. Hein. Le reste, c'était des Congolais. Hein. Oui, il y a une autorité dissidente du Rwanda qui nous avait dit que même les ADF, c'est Paul Kagame. Museveni lui-même l'a dit, même les ADF. C'est Paul Kagame. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. La cérémonie d'échange de ces islamistes MTM bar ISCAP s'est déroulée dans la cité frontalière de Kassindi, Loubiriha, entre le général-major Dick Oloum,
commandant contingent ougandais engagé dans les opérations Shujaa et le colonel Okoko Bokeon, qui a représenté le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Voilà, chers compatriotes, tous ces désormais ex-terroristes ont été capturés lors des différentes opérations conjointes FARDC UPDF. Diminue le volume, s'il te plaît. Sur le sol congolais, ils ont été capturés sur le sol congolais et ils ont suivi des séances de déradicalisation avec l'ONG Bridgeway. Ouais. Ces séances de déradicalisation vont continuer au Congo avec la même organisation non gouvernementale, lâche le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola. Voilà, au moins on peut se réjouir de ça, mais je pense que ce n'est pas terminé. Ces gens, vous savez comment ils sont, ils jouent parfois le jeu du ping-pong. Hein. Ils s'en vont comme ça, après on apprend qu'ils sont revenus. Voilà, selon deux commandants, ces djihadistes capturés sur les champs de bataille par les deux armées constituent une énième preuve tangible de l'évolution du travail que les deux armées sont en train d'accomplir dans cette région de Beni, située dans la partie est de la RDC. Donc ce n'est pas la première fois. C'est la énième fois que des Congolais, ex-membres des ADF, ont été rapatriés après un tel processus de déradicalisation orchestré par Bridgeway, le nom de l'ASBL ou l'ONG. Cette fondation emploie des méthodes variées pour encourager la reddition des combattants ADF. 10 minutes, s'il te plaît. Cette fondation emploie des méthodes variées pour encourager la reddition des combattants ADF, allant de programmes radiophoniques à la distribution de tracts via hélicoptère dans les zones tenues par les ADF. Excusez-moi, s'il vous plaît, quand on le fait à la maison, ce n'est pas facile avec la famille. Voilà. Là-dessus, nous passons à l'exploit de Mwesso et nous clôturons. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Mwesso. Il y a eu des changements depuis ce matin. Les Oisaliens de FARDC occupaient la partie nord vers 10h42, heure de Goma. Et le sud était occupé par les M23. En ce net moment, Mwesso est complètement récupéré. Et les combattants Oisaliens et quelques FARDC sont en route vers Kichanga. Voilà tout ce que nous avions à dire aujourd'hui, chers compatriotes. Et nous terminons, comme d'habitude, avec un air musical pour avoir quand même le sourire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
Sangalai, 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 sang